Alors qu'il venait inaugurer une statue de sa maman Elisabeth II dans la ville de York, Charles III a vu sa visite perturbée par un individu décidé à en découdre avec lui. Serrant les mains de la foule venue saluer le nouveau couple royal, Camilla Parker Bowles, reine consort, était aussi présente. Le roi a été la cible de jets de la part d'un homme présent dans l'assemblée. S'il n'a heureusement pas réussi à l'atteindre au visage, l'un des quatre projectiles a réussi à atteindre une de ses chaussures. Les agents de police n'ont pas attendu longtemps avant d'intervenir et de maîtriser le perturbateur, visiblement en colère que le pays ait été construit sur le sang des esclaves. Loin de Charles III l'idée de pester en public. Le roi a continué le serrage de main comme si de rien n'était, ignorant avec une classe royale l'incident qui venait de se produire. Si le roi s'est abstenu de toute réaction, les soutiens présents sur place et témoins de la scène se sont chargés de le défendre. Vous devriez avoir honte, pouvait-on entendre dans la foule d'après les médias britanniques avant que ne résonnent plusieurs God Save the King, hymne du pays.